Vendredi 3 décembre, ce matin je me suis réveillée hyper tôt, exprès pour faire un timelapse. Le lever de soleil que vous venez de voir juste avant, je suis allée sur le rooftop de l'immeuble et j'ai laissé mon téléphone pendant une heure. J'espère que vous aimez bien, franchement c'est trop cool de voir le lever de soleil en haut. Ensuite je me suis recouchée un petit peu parce que j'étais vraiment fatiguée, le soleil se lève super tôt ici. Et ensuite j'ai bossé, je me suis douchée, je me suis maquillée, j'ai mangé mon petit déj, etc. Là il est 11h du matin et je vais vous annoncer le programme de la journée. Nous allons faire un sapin dans l'appartement, je suis trop contente. Et je vais pas faire un gros sapin parce que je suis pas là pour tout le mois de décembre. Je vais faire un petit sapin et ça va être la mission pour trouver ça dans New York. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. J'en ai vu à Whole Foods à l'entrée, il y avait quelques sapins mais c'était des grands, donc on va essayer d'en trouver un tout petit. Et surtout des décorations de Noël, je sais pas du tout où en trouver, j'ai aucune idée. Ça va être la mission, franchement ça va être la mission. Je sais pas du tout ce que ça va donner cette histoire, mais j'ai hâte. Je pense que le sapin je vais le mettre sur la fenêtre, comme ça il y aura toute la vue derrière. Ça va être trop beau, trop hâte. Donc écoutez, je pense qu'on va y aller tout de suite. Tenue du jour. Désolée si on entend la machine, je viens d'en allumer une. Alors j'ai mis un pull de chez Naked. Il est super chiant parce qu'en fait il fait plein de peluches. Et j'ai mis un jean noir et du coup, bah, je sais pas si ça va se voir, mais du coup voilà, il y a plein de peluches. C'est un jean noir Naked. Des bottes Jonac. Ça c'est ma tenue préférée quand il fait pas trop froid à New York. J'aime trop mettre cette tenue. Un manteau Zara et je vais quand même mettre mon écharpe et mon sac. Et voilà, prête pour faire mon premier sapin. Très contente. Il fait super beau. Bon, j'ai quand même mis mon écharpe parce que je suis quand même un peu malade encore. Mais c'est trop cool. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais hier soir, j'ai acheté un médicament. J'ai jamais vu un médicament aussi fort de ma vie. Je vous jure, c'était un truc. On aurait dit un bain de bouche en fait. C'était trop bizarre. Et franchement, ça a l'air de fonctionner parce que je me suis sentie mieux. Et tant mieux. Je pense que je vais marcher un petit peu parce qu'il fait beau, que ça fait du bien. Et quand j'en ai marre, je prendrai un métro pour remonter un petit peu et aller vers les magasins. Pour voir où est-ce que je peux trouver des guirlandes. Franchement, je pense que je vais faire d'abord la mission guirlande avant la mission sapin. Parce que le sapin, je sais à peu près où en trouver. J'ai pas envie de me trimballer un sapin pendant genre 2 heures en cherchant une guirlande. Tous les jours, je passe devant ce truc et il y a genre des donuts qui ont l'air incroyables. J'ai trop envie d'en manger. Un jour j'irai. 2 seconds later. Je viens de sortir du métro, je suis pas mal montée au final. C'était un bordel dans le métro, genre il y avait, je suis rentrée dans une rame, il y avait genre un groupe de mecs qui fumaient genre dans le métro. Donc du coup ils ont arrêté le métro et j'ai pris une autre ligne et du coup je dois marcher un peu. Bref, du coup j'ai trouvé sur internet un espèce de magasin, les magasins de Noël genre. J'ai un peu peur du prix, mais en vrai comme on fait un petit sapin, je me dis je peux acheter genre une guirlande, quelques boules, ça va pas me coûter super cher. Donc du coup on va aller voir ça. Et c'est vrai que le métro c'est un peu spécial, j'avoue il me rassure pas du tout le métro new-yorkais. En fait ça a vachement changé, avant c'était beaucoup plus safe que maintenant avec le Covid. C'est vraiment, franchement ça craint je pense à certains moments. Il y a pas mal de moments où je suis en train de métro où vraiment je me suis pas sentie bien, j'avais peur. Faut quand même faire attention si vous prenez seul le métro, voilà, déjà ne prenez pas tard, ça c'est sûr. Mais faites attention dans quelle rame vous montez et tout, parce que je veux dire là il y avait du monde dans la rame où les mecs fumaient, mais seul, enfin les portes se referment assez vite, enfin tu rentres, tu te rends compte de ça après, tu dois juste attendre un arrêt, enfin moi j'aurais pas été bien si j'avais été seule. Donc faites quand même attention. Que je prenne des petites guirlandes, mais il faut en trouver des toutes petites. Je pense qu'en vrai si je prends une guirlande lumineuse juste comme ça, classique, ça peut être bien. Et j'achète genre quelques boules en plus, mais peut-être qu'il faudrait que je trouve une autre couleur de lumière. Du coup j'ai trouvé des petites guirlandes, ça c'est censé faire un peu comme ça, c'est gold. Et je pense que je vais acheter des petits trucs, mais c'est hyper cher. Genre une boule c'est 15 balles. Ça c'est exprès pour les petits sapins, il y a vraiment de tout. Je peux même mettre un brownie si je veux. Waouh, il est tout mou. Drôle. Venez, j'achète un truc bizarre comme ça. Juste pour rire. Ah non, en fait. 19$ la part de pizza. Ça y est, j'ai fait mes petits achats. J'en ai eu pour 38$ pour des mini boules, une guirlande lumineuse et un top là, je sais pas comment ça s'appelle. On verra, j'espère que ça va suffire. J'avoue, c'est un peu cher. J'ai pas envie de dépenser hyper cher non plus. Ensuite, on va aller chercher le sapin.
Bon, du coup, en marchant, j'ai vu un Whole Food et je sais que là, il y en a. Donc du coup, je vais essayer d'en trouver. J'en ai trouvé quelques-uns là. Bon, franchement, c'était pas foufou. Donc je vais essayer de trouver un autre endroit au final. Bon, j'en ai trouvé d'autres. En vrai, je pense que je vais prendre ça. Ça a l'air bien. Je pense que je vais prendre celui-là. Je pense que je vais prendre des sushis à emporter. Comme ça, je file à la maison. Je viens d'arriver à la maison, je peux pas vous expliquer la galère dans le métro avec un sapin et tout, n'importe quoi. Je l'ai mis là, je l'ai posé à l'arrache. Je me suis déshabillée, je meurs de faim, on va manger. J'ai pris du coup des petits sushis, j'ai pris des rolls, avocat, saumon et une sauce genre un peu spicy. Et j'ai pris un truc qui n'a rien à voir mais j'avais trop envie de goûter, genre ça me donnait trop envie. C'est des tortilla chips yellow corn. C'est super gras mais c'est super bon. J'ai trop envie de faire une vidéo où je teste des trucs chelous qu'il y a aux États-Unis, genre à manger. Vous voulez que je fasse ça pendant les vlogmas? Dites-moi en commentaire. Super bon. Franchement c'est super bon. Je vais mettre Gossip Girl. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Alors je suis rentrée tard de mon expédition sapin, mais quand même j'ai juste eu le temps de manger, de faire du montage et il fait nuit. C'est un truc de fou comment le soleil se couche tôt ici. L'après-midi passe hyper vite. Le soleil vient de se coucher, il est 17h, je vais vous montrer un peu là, c'est trop beau. Il y a quasiment plus de lumière mais on voit quand même. C'est trop beau. Bon, unboxing de notre truc. On a nos guirlandes gold. Nous avons nos boules de Noël. Alors j'ai pris du coup des mini, vu que j'ai un mini sapin. J'ai pris du coup des multicolores avec des trucs dorés dessus. Je me suis dit comme ça, ça fait des couleurs vu qu'on a une guirlande toute simple. Et j'ai pris un truc pour mettre au bout. Comment s'appelle ce truc? J'arrive pas à me souvenir. C'était 1$. Bon, c'est un tout petit truc hein. Je pense que quand je rentre à Paris, je fais un vrai sapin chez moi. Et du coup j'ai pris ça. J'ai un truc qui te laisse un demi-milliard de paillettes sur les mains dès que tu le touches. Sauf que le trou il est tout petit donc faudra, je sais pas comment on va faire. Ça va être cool, je vais installer le sapin. Je pense que ici franchement c'est parfait. Parce que là bah c'est inutile. Là c'est un peu abusé. Et je me dis ici c'est quand même trop bien. Genre avec la vue derrière. Je préfère ce côté là comme ça je peux brancher ici la guirlande. Et surtout parce que là j'adore me poser de ce côté. Bon, je galère depuis tout à l'heure, vraiment je galère à essayer de bien mettre... En fait c'est trop long, j'ai l'impression que ça fait des nœuds. J'ai pas envie d'allumer, j'ai envie d'allumer tout à la fin pour voir le résultat. On va mettre les boules. This is the first year that we are alone. The kids... Et voilà, il ne manque plus que le bout. Je vais essayer de le percer. Bon, j'ai tenté un truc, je suis pas sûre. Et voilà! Tadam! Waouh! Il est pas très beau, je crois. En fait, j'ai envie d'allumer surtout. Parce que ça, ça va tout changer. Venez, j'éteins les lumières. Je vais le brancher. Waouh! Waouh! Ok, alors on a un problème. Déjà, en haut, il n'y a pas assez de lumière. Comment est-ce que je vais faire cette chose? Voilà, incroyable. Et voilà mon sapin. Bon, il est pas hyper beau, hyper garni, mais c'est pas grave. C'est un sapin mignon quand même. Je suis trop contente. Là, ça y est. Tous les soirs, je vais allumer ça. On sera vraiment dans le mood. Je viens de sortir de la douche. Ça fait trop du bien. Je me suis lavé les cheveux. Je me suis fait un gommage. J'ai tout fait. Je vais vous montrer ce que j'utilise là sur mes cheveux. En fait, il y a plein de trucs qui ont changé dans ma routine parce que je pouvais pas tout prendre dans ma valise. Donc du coup, je me suis dit que j'allais acheter les choses sur place en arrivant. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Attendez, je vais vous... En gros, pour ceux qui avaient suivi en story, quand on est arrivé avec Jérémy, nos valises, elles sont arrivées 2 jours plus tard, je crois. Donc du coup, on avait une assurance et l'assurance nous a donné un dédommagement. Et en fait, du coup, on pouvait acheter des produits de première nécessité, d'hygiène, etc. Et comme il y avait un budget tout cool, je me suis acheté des trucs qui coûtaient un peu cher. Parce que du coup, on peut pas garder l'argent, c'est pas un virement qu'on vous fait. C'est sur présentation des factures, ils vérifient, etc. Donc je me suis acheté du shampoing et après shampoing de qualité. J'ai acheté un shampoing Olaplex, c'est le numéro 4. Et j'ai acheté un masque pour les cheveux épais de la marque Ouais. Et j'avais jamais testé et ça faisait 30 ans que je voulais tester. Donc en vrai j'étais grave contente parce que j'utilisais les Airburst depuis quelques temps. Et là du coup bah ça a changé aussi. Et franchement je suis grave contente du résultat sur mes cheveux.
cheveux, j'aime trop. Donc voilà pour ma petite routine cheveux et je fais rien d'autre. Je mets un protecteur de chaleur JHD avant de me les sécher. Mais c'est vrai que je me les sèche pas vraiment là en ce moment. Je suis plus en mode je les laisse un peu sécher à la maison. Je les laisse un peu sécher à l'air libre et à la fin je les reprends un peu au sèche-cheveux pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. Parce qu'une fois je me suis endormie avec les cheveux mouillés et plus jamais. Du coup pendant que je mets mes crèmes, je vais vous raconter, vous expliquer ce que je vais manger ce soir. Je voulais trop vous en parler parce que vraiment c'est trop important. Si vous venez à New York, c'est le bon plan de l'année. En fait c'est Jérémy qui m'avait fait découvrir ça. Jérémy c'est un fan de Japon. Il commandait des trucs qui venaient de Japon. C'était des espèces de, ça s'appelle des cup noodles. Donc c'était des espèces de nouilles dans un bouillon. Enfin c'était trop trop bon. Et il me disait qu'aux États-Unis il y en avait plein partout. Là à New York il y a plein de magasins qui s'appellent 7-Eleven. C'est ouvert 24h sur 24 tout le temps. Et il y en a vraiment partout. Il y en a un juste en bas de chez moi. Et je vous jure que je ne me nourris que de ça. Je crois que j'en ai jamais parlé. Du coup je vais vous montrer ça parce que je vous jure que je mange ça tout le temps, vraiment tout le temps. C'est des nouilles en fait et vous mettez de l'eau chaude dedans, vous laissez gonfler un peu pendant 3 minutes et vous mangez ça. Et une cup noodle ça coûte moins de 3$, ça c'est sûr, donc c'est vraiment pas cher. Et je vous jure que on dirait pas, mais une cup noodle franchement c'est grave consistant et c'est tellement bon. Mais vraiment je pourrais manger que ça. Et si chez moi il y en avait partout et qu'il n'y avait pas besoin d'en commander, j'en mangerais tout le temps. Et là depuis que je suis à New York, je vous jure, genre un soir sur deux je mange une cup noodle, c'est un truc de fou. Alors ma cup noodle, vous allez mettre de l'eau à chauffer et on va l'ouvrir. Moi je prends les cup noodles shrimp et on l'ouvre. Et vous enlevez pas le papier, vous laissez un petit peu accroché. Regardez à quoi ça ressemble. Une fois que c'est chaud, vous versez. Et en fait il y a un petit trait à l'intérieur, vous allez le voir. Vous versez jusqu'au trait. Voilà à quoi ça ressemble. Et ce que vous faites, c'est que vous refermez comme ça et vous laissez 3 minutes. Et au bout de 3 minutes, vous pouvez manger. Avec mon sapin. C'est tellement bon. Pour ceux qui aiment bien manger des trucs chauds, genre des soupes, des trucs comme ça, j'aime trop. Même boire le bouillon, il est tellement bon, je vous jure. Voilà, vos petites nouilles instantanées. C'est encore mieux avec des baguettes, mais comme une débile, j'ai jeté celle de ce midi. Tellement bon. Et c'est tellement rapide. C'est chaud. Je vous jure, c'est parfait. Si vous voulez manger pour pas cher, allez-y. Bon, c'est pas le plat le plus sain du monde, hein, on va pas se mentir. Mais on est à New York. Et petit conseil, regardez Gossip Girl en même temps. Bon, ça y est, il est tard. Il est temps pour moi d'aller me coucher. Je vais faire un petit peu de montage de cette vidéo. Je finirai demain matin. J'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je sors un vlogmas, donc une vidéo par jour tout le mois de décembre à 19h. Et activez les notifs pour pas les louper. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Je suis active tous les jours. Le lien est en barre d'infos comme d'habitude. Et nous, on se retrouve demain à 19h dans le prochain vlog.